17 octobre 1806, 17 octobre 2021. Ça fait 215 l'année dans l'histoire pays d'Haïti. 215 l'année depuis le moyen homme dans le pont rouge. 215 l'année depuis yo assassiné un chef l'État dans le pays d'Haïti. Nom sa terele Jean-Jacques Dessalines. Pour 215e l'année commémoration la mort en Péréa, nous décidons dans au cap chercher plusieurs professeurs histoire pour dire nous qui laisse nom sa terele. Nous parler avec professeur Belangelo et avec professeur Juno Michel Jean. En font si chita à côté. C'est ça qui rend Dessalines différent de tout l'autre haïtien. Ou bien de tout l'autre chef d'État haïtien. Dessalines différent, ce n'est pas de l'autre chef d'État haïtien. Dessalines différent de tout chef d'État sur la terre. Pour qui ça? C'est un ancien esclave qui est devenu chef d'État. Un ancien esclave, un écrivain chef d'État, avec un macaque de fouette, il te comprend comme esclave dans le col. Un chef révolution qui changeait une colonie esclavagiste en un état indépendant et souverain qui fait des esclaves devenir des citoyens. Il a dit qu'il opérait un gros miracle dans l'histoire universelle. Poser Dessalines, non, Dessalines n'appartient pas seulement à l'histoire haïtienne. Dessalines appartient à l'histoire universelle. C'est l'histoire du monde entier. C'est historien du monde entier qui a fouillé, cherché qu'on est pour comprendre Dessalines. Parce que ça qui fait en Haïti en 1804 là, pourquoi pas aucun autre pays qui fait, ni qui t'a fait l'avant, ni qui t'a fait ni pendant la période là, ni qui fait l'après. L'histoire d'Haïti, révolution haïtienne 1804 avec Dessalines, est unique en son genre, est différent de toute l'autre. Donc c'est ça qui fait que Dessalines comme ça. Dessalines étonnait le monde. Donc, moi, je crois qu'il y a plus d'historiens à travers le monde entier à faire recherche pour comprendre Dessalines plus bien. C'est ça que je suis capable de dire qui fait que lui paraît différent que tout l'autre chef d'État. Ça qui différent de Dessalines par rapport à l'autre chef d'État, Dessalines sont des gens qui ont une histoire. C'est côté Dessalines fait, combien sur habitation de Breda, Vietaï. Dessalines sont des gens qui connaissent toute rigueur de l'esclavage. Ou pas loin, parmi les hommes d'État et les gens qui ont mené la révolution de 1791 à 1804, Dessalines n'ont pas la même conception avec eux. Ou pas loin, Dessalines sont esclaves des champs qui prennent pile coup. Donc, mais par la suite, ou pas le comprendre, les Dessalines viennent dans un premier temps gouverneur, dans un deuxième temps, dans un second temps, ils viennent empereurs. Ce qui est important pour Dessalines, c'est la nation. C'est faciliter la cohésion au sein de la nation. Au parlement de Dessalines dit, il reconnaît tout haïtien sous dénomination générique de noir. Dessalines voulait éviter toute discrimination dans la société. Ça, et dans la construction d'une société, il faut éviter tout aspect racisme. Donc, premier élément qui peut faire Dessalines différent de eux, c'est l'unité. Ou pas loin, pile l'autre chef d'État, a boumé pour yon bon clan, pour yon groupe nous. Déjà, nous pas dit non. Bien payé, c'est pour le partager pour tout le monde. Et ou pas loin que l'histoire, et même des historiens, font de Dessalines, c'est le premier communiste qui parle bien en Amérique latine. C'est que l'État doit accumuler bien yon et pour le mettre bien ça au service de la nation. Ensemble des citoyens qui vivent dans la nation. Ça. Donc peut-être c'est ça qui fait la différence entre Dessalines avec l'autre. Dessalines pas dans le clan, Dessalines pas priorisons plan par rapport à l'autre, c'est que pour Dessalines, tout le monde doit compter en deux nations. Dessalines Ali. Pour moi, Dessalines sont visionnaires. Donc c'est visionnaire. Ils sont visionnaires. Parce que Dessalines rentre dans le contexte, il faut consolider l'indépendance. Donc en un mot, visionnaire. Ils sont visionnaires. Ça c'est très important pour lui, vision ça. On ne peut pas dire que Jean-Estève Vincent a dit Dessalines sont bloc. Un bloc qui est tout bas et là dans toute qualité. Dessalines, c'est un révolutionnaire. Dessalines,
son fondateur de la patrie, c'est un monde qui transformé, c'est-à-dire une société esclavagiste, une société d'égalité. Donc Dessalines, son personnage extraordinaire. Je t'ai dit que tu as coupé Dessalines sur un bloc. Hommage à Karen Dessalines, qu'elle méritait, que la nation t'a mérité, c'est qu'en nous suspendant pour nous gourmer politiquement, jour 17 octobre ou bien 20 septembre. Nous ne pouvons pas faire manifestation, nous ne pouvons pas faire l'homme dans la date. Deuxièmement, nous avons toujours déposé fleurs pour Dessalines, chanter des hommes, mais il faut une manifestation culturelle et spirituelle qui réunit tout le monde là-dedans, qui était protestant, qui était vaudouisant, qui était n'importe quel monde. Jour de date historique, particulièrement 17 octobre, ils mettent une branche fleur dans un pot pour chaque haïtien d'affronter. Planter pieds bois. Et l'État a inauguré quelques universités, inauguré l'école, inauguré l'hôpital. Chaque date historique, particulièrement 17 octobre, c'est en avant pour nous avoir crié. Même Jean Cabral Lamotte est crié en avant dans la bataille 21 sous les ordres de Dessalines. Donc moi, je pense que nous allons penser, nous allons réfléchir pour que nous rendions la date ça soit plus significative dans la vie. Bon, moi, je ne pense pas que c'est des besoins de fleurs. Un hommage, même penser que des bibliothèques qui capotent nos Jean-Jacques Dessalines, des lycées et des écoles nationales, d'autres écoles nationales qui capotent nos Jean-Jacques Dessalines, et puis nous sommes capables de faire par exemple d'autres places publiques, d'autres universités qui capotent nos Jean-Jacques Dessalines. Si toutefois Dessalines te bataille puis consolider l'indépendance pour que Napoléon ne retourne pas, mais je dis à nous-mêmes, ça Dessalines pas de faire. Nous-mêmes, je dis, qui citoyens ou bien dans l'État, ce qui est plus important, c'est concrétiser le rêve des Dessalines. Permettre tout le monde à l'école, tout le monde à l'université, et je vous dis là, 30 personnes dans la salle de classe, ou dans l'université, à un campus, qui peut être Jean-Jacques Dessalines. Moi, je pense que pour nous avoir honoré la mémoire des Dessalines, il ne suffit pas seulement pour nous déposer un jet de fleurs, etc. Mais nous sommes capables de dire, dans chaque département, il y a un édifice public. Qu'après ce par une quantité de monde qui portait nom Jean-Jacques Dessalines. 215 l'année après, journée jeudi à Dessalines était pic gros figi qui gagne dans l'histoire pays d'Haïti. Dessalines visionnaire. Dessalines marquait l'histoire le monde entier parce que c'est chef première révolution esclave nègre noé qui rivait joindre liberté. Dessalines 215 années après, un homme que nous pas jamais oublier. Dessalines ou c'est papa pays d'Haïti.